C'est la parole faite de chair pour cet âge. Voilà pourquoi Dieu, nous venons, Seigneur, pour festoyer, Seigneur, dans ce qui a été révélé. Nous abandonnons, Seigneur, le culte d'aujourd'hui entre tes saintes glorieuses mains. Bénis chacun de nous pendant que nous sommes ici, que tu sois pour ta gloire, par le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et de leur bénir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour, Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Today is a great day. C'est ça. Le 6 mars. Alors, on a pensé jumeler les deux. So we thought of meeting it together. Erika a maintenant 15 ans d'âge. Erika is 15. Et Benny a 14. And Benny 14. Is 14. C'est ça. Donc, avant de commencer, les invités, I will call them. Nous allons chanter Happy Birthday. We want to sing Happy Birthday. Et nous allons prier pour elles. And we going to pray for them. Si elles peuvent venir. If they can come for it. Come on. Alors, nous allons tous chanter Happy Birthday. We all want to sing Happy Birthday. Après. La réunion, vous voulez chanter, parce que nous chantons. You don't need to sing, we're going to sing. Parce qu'on chante pour vous. Because we're singing for you. Ok. Alors, après ceci. So after this. Donc après le culte. After the service. Il y aura une petite réception. We have a small reception. Il y a la nourriture qui est préparée. There's food that is prepared. Et nous allons festoyer pour. And we're going to have a feast. Pour l'anniversaire de nos deux filles. For the birthday of our daughter. Alors maintenant nous allons chanter Happy Birthday à Erika et à Priscilla. Comprenez-moi, les deux noms sont connectés. Les deux noms sont connectés. Amen. Amen. Alors on chante. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear baby. Happy birthday to you. Oh, mama, mama, oh, mama, mama. Sois-tu éternel grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ces enfants, oh Dieu. Voilà pourquoi nous venons les ramener à toi. D'abord, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés durant 15 ans, durant 14 ans, Père bien-aimé. Il n'y a que ta main, Seigneur, qui peut garder. Oui, Seigneur, quand elles vont à l'école, nous, on n'est pas là. Quand elles dorment, Seigneur, nous dormons aussi, Seigneur. Mais il y a un qui ne dort pas, c'est toi, tant que Père Céleste. Et c'est pourquoi, oh Dieu, la continuité de leur vie, Seigneur, nous l'abandonnons entre tes saintes. Laisse que ces enfants, Seigneur, puissent être une bénédiction pour les parents, oh Dieu.
que tu puisses les conduire jusqu'à ce que ton destin sera accompli dans leur vie, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, que le train de la vie puisse les changer, au Père Bénin. Les influences des amis à l'école, partout, Seigneur, puissent les changer. Laisse que, oh Dieu, que ces glorieux messages puissent prendre le devant dans leur cœur, Père Bénin. Qu'elles puissent reconnaître leur identité. Partout où elles vont, qu'elles puissent reconnaître qu'elles ont cru à un message envoyé par le Seigneur Jésus-Christ à son prophète William Marion Banham. Nous abandonnons, Seigneur, le reste de la journée entre tes saintes mains. Nous croyons de tout cœur, Seigneur, que la pluie des bénédictions seront déversées sur elles. Que tout soit pour ta gloire dans le nom précieux et parfait de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse le frère Paulin. Je suis heureux de t'avoir parmi nous. Ainsi que toute ta famille. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le secret de l'Éternel. We continue with the seven feasts of the Lord. On avait parlé des trois fêtes déjà. We spoke of three feasts already. Non, quatre. Four. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième fête. Today we're going to speak of the fifth feast. Et la cinquième fête. And the fifth feast. C'est la fête des trompettes. It's the feast of the trumpets. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique. We're going to open our Bible in the book of Leviticus. Au chapitre 23. Leviticus chapter 23. Verset 24. Verse 24. Lévitique 23, 24. Lévitique 23, 24. La Bible dit. The Bible said. Parlez aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier du jour, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Speak unto the children of Israel, saying, in the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of the trumpet, and holy convocation. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 1. Osée chapitre 6. Verse 1. Tu l'as. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivons devant lui. Come, let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will brand us up. After 2 days, will he revive us. In the third day, he will rise up, and we shall live in his sight. Prions le Seigneur. Let's pray. Béni sois-tu, Dieu bénémoine. Bless your name. Nous venons encore devant toi. We come before you. Pour nous abandonner entre les saints. To surrender into your hands. Seigneur, cette parole est une pensée exprimée dans ta pensée. Father, this word is a thought expressed. Cela a été dans ta pensée avant l'expression. That was in your mind before the expression. Voilà pourquoi Abel a été agréable devant toi. That's why Abel was favorable before you. Parce qu'il pouvait exprimer ce qui était dans ta pensée. Because he could express what was in your thought. Dans cet âge, tu nous as envoyé un prophète. In this age, you sent us a prophet. Qui a amené un message. Who brought a message. Qui est la pensée de Dieu lui-même. Which is the thought, the mind of God himself. Voilà pourquoi Dieu. That's why God. Nous avons lu la Bible comme des intellectuels. We read the Bible as the intellectuals. Mais ce que nous voulons, c'est l'expression de ta pensée. But what we want is the expression of your thoughts. Ferme la bouche de l'humain. Close the mouth of the human mouth. Que la divinité puisse exprimer. May the divinity speak to us. Bénis la lecture de ta parole. Bless the word. Dans le nom précieux de Jésus Christ. In the mighty name of the Lord Jesus. Nous avons ainsi prié. We pray. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Alors, comme je l'avais dit, so as I said, on avait vu les sept fêtes. We saw the seven feasts. Et nous avions déjà étudié quatre fêtes. And we studied four of them. La première fête était la fête de Pâques. The first one, the feast of Passover.
La deuxième était la fête des pains sans levain. The second one was the feast of unleavened bread. La troisième était la fête des gerbes agitées ou la fête des prémices. The third one was the feast of gerbes agitées, wave sheaves. Wave sheaves. Ou la fête des prémices, first fruit. The first fruit, yeah, first fruit. Et la quatrième fête était la fête des Pentecôtes. And the third feast was the feast of Pentecost. Ou la fête des sabbats. Or the feast of Sabbath. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fête des trompettes. And today we're going to speak of the feast of trumpet. Comme nous le savons tous, as we all know, que les trompettes c'est ça qui appelle Israël. That the trumpet is the one that called Israel. Amen. Nous savons que Israël avait rejeté l'Éternel. We know that Israel rejected the Lord. Et cela avait donné le pouvoir aux gentils de croire la parole. And that gave the favor to the Gentiles to believe the word. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Dans le livre des Actes au chapitre 15, verset 13. Book of Acts, 15, verset 13. Que l'Éternel est venu vers nous pour trouver un peuple qui porta son nom. That the Lord came unto us to find people that bear His name. Et nous allons essayer d'illustrer cela avec les 70 Samaritains. We will try and show the 70 Samaritans. Amen. Le frère Branham, quand il a prêché les 70 Samaritains l'année dernière. But Branham, when he preached the 72 Samaritans, il nous avait montré l'ordre. He showed us the order. Jusqu'à ce que le Messie a été retranché. Up to when the Messiah was taken away. La première semaine c'était 7 semaines. The first week was 7 weeks. C'était pour la construction du temple. It was to build the temple. Amen. Amen. Temple de Jérusalem. The temple of Jerusalem. Ça faisait 7 semaines. It was 7 weeks. Et à partir de cette semaine là. After the 7 weeks, jusqu'au prince Messie, after the up to the coming of the Messiah, ça faisait 62 semaines. It was 62 weeks. Amen. Amen. Et après le Messie, and after the Messiah, est retranché, was taken away. Ce qui exprime la fête des prémices. That's why that's the one that expresses the feast of the first fruit. First fruit. Parce que ça, cela exprimait la résurrection. That expressed the resurrection. Quand on est arrivé dans cette fête-là, when we got to that feast, c'était l'ascension de Jésus. It was Jesus going. Il est venu chez les siens. He came. Jesus came to chez les siens. To his own. Et les siens ne l'ont pas reçu. And his own people did not receive it. Il nous a fait la grâce de devenir enfants de Dieu. He gave us grace to become the children of God. Et la première partie du ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans et demi. The first part of the ministry of Jesus Christ lasted 3.5 years. Et ici vous allez voir que nous avons la fête de Pâques. And we, there you see we had the feast of Passover. Parce que c'est là que Jésus-Christ avait été tué. That's when Jesus was crucified. À la fin de son premier ministère. At the end of his first ministry. Et on avait aussi la fête des pains sans levain. And we had the feast of the unleavened bread. Parce que quand la Pâque était immolée en Égypte. When the Passover, when the lamb was killed in Egypt, ça devait être mangé avec les pains sans levain. They were supposed to eat it with unleavened bread. Et le frère Branham dit que les pains sans levain. But Branham said that unleavened bread. C'est la parole qui est sans mélange. It's the word without in a mixed word. Les Juifs durant pendant qu'ils étaient dans le judaïsme, Jews while they were in Judaism, ils avaient tout mélangé. They mixed everything. Et Jésus est venu faire la première partie de 3 ans et demi. And Jesus came to do the first part of the 3.5 years. En enlevant, n'est-ce pas, les levains. And taking away the leaven. Parmi les Juifs. Among the Jews. Lui-même était l'exemple de la résurrection. He was the example of the resurrection. En tant que pain levé, pain sans levain. As the unleavened bread. Et après cela, il a été enlevé. After that, he was raptured. Dans la fête des prémices. At the feast of first fruit. Et quand il est parti, and when he left, Jésus n'est pas parti au ciel pour s'asseoir. Jesus didn't go to heaven just to sit. Amen. Amen. Jésus est parti vers les gentils. Jesus went to the Gentiles. Maintenant, quand les dénominations attendent Jésus, when the denomination are waiting for, Jesus, ils pensent que Jésus est parti au ciel. They think that Jesus went to heaven. Il s'est assis sur une chaise. He sat on a chair.
pendant 2000 ans. For 2000 years. Ça serait un Dieu responsable. This is irresponsible. Et le frère Branham dit que Branham says, Dieu n'a jamais quitté la terre. God has never left the earth. Il est toujours ici. He always here. Vous allez voir les gens en église. You see people in church. Oh, nous appelons le Saint-Esprit. Oh, we want to call the Holy Spirit. Mais quand on leur dit que when they told them, il est ici, he's here, c'est un problème. It's a problem. Mais le Saint-Esprit c'est Dieu. But the Holy Spirit is God. Amen. Yes. Amen. Regardez à l'invisible. Look into the unseen. Et après. Quand Jésus a été retiré des Juifs, and when Jesus was taken away from the Jews, il a commencé les âges de Christ. He started the church ages. Mm. Et le frère Branham nous dit, and Brother Branham said, durant son premier ministère, during the first ministry, il était le Fils de l'homme. He was the Son of Man. Amen. Amen. Et durant les âges de Christ, and during the church ages. Il était le Fils de Dieu. He was the Son of God. Amen. 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 Le frère Branham dit, Brother Branham said, avant de devenir encore le Fils de David, before becoming avant de devenir encore le Fils de David, before coming as the Son of David, il doit encore être le Fils de l'homme. He has to be the Son of Man. Pour accomplir la dernière moitié de la to accomplish the last bit of Amen. The 60 weeks of Daniel. 70 weeks. 17 weeks of Daniel. Amen. Amen. En principe, il ne vient que sous toi, non? Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et le Fils de David. Normally, he comes in three names. The Son of Man, the Son of God, and the Son of Man. Et le Fils de l'homme revient deux fois. And the Son of Man comes two times. Il ne revient pas deux fois en réalité. He doesn't come two times in reality. Mais il ne vient que pour accomplir la dernière semaine. He only comes to fulfill the last week. Et cette dernière semaine, c'est la chose qui a été mystérieuse. That's the last week is the mystery week. C'est la chose qui avait troublé Daniel. That's the part that troubled Daniel. Et Hosea nous dit, and Hosea said, au chapitre 6, in chapter 6, il dit, après deux jours, he says, after 2 days, le Seigneur nous relèvera. The Lord will revive us. Le frère Branham dit, Branham said, que les deux jours en question, ce n'est pas les 24 heures. It's not the 24 hours. C'est deux jours selon Dieu. It's 2 days according to God. C'est 2000 ans. It's 2000 years. Donc les âges de Christ devaient durer 2000 ans. So the church ages had lost 2000 years. Et après 2000 ans, after 2000, nous allons entrer dans le troisième jour. We go into the third day. Amen. Amen. Et dans le troisième jour, and the third day, les trompettes vont sonner. The trumpet will sound. Où le Fils de l'homme, where the Son of Man, devait se révéler aux Juifs. It had to be revealed to the Jews. Mais après ce temps-là, before that time, on doit arriver aussi au temps des gentils. We had to be in the time of gentles. Où on sera à la dernière fête. Where we gonna be at the last feast. Qui sera la fête de Pentecôte. Which the feast of Pentecost. Et l'épouse sera appelée. And the bride will be called. Et dans les âges de l'église, and in church ages, nous sommes au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. We are in chapter 1 to chapter 3 of Revelation. Et au chapitre 4, l'épouse est partie. And in chapter 4, the bride is gone. Au chapitre 5, l'épouse voit le trône. In chapter 5, the bride sees the throne. Et au chapitre 6, c'est l'ouverture des sceaux. And in chapter 6, is the opening of the seals. Au chapitre 7, nous avons l'appel des 144,000. And in chapter 7, we have the calling of 144,000. Et au chapitre 8, nous avons l'ouverture du 7e sceau. And in chapter 8, is the opening of the 7th seal. Il y a un silence d'environ une demi-heure. There was a silence for half an hour. Au ciel. In heaven. Le frère Branham dit pourquoi c'était un silence. Brother Branham said why that half an hour. Parce que cet être qu'on adorait là-bas. Because The people, the person that was worshiped, left, et il est revenu sur la terre. Parce que le frère Branham dit que le 7e sceau l'a ramené sur la terre. But Branham said the 7th sceau brought him back. Et le ciel est resté vide. And the heaven. Et il n'y avait plus d'adoration. There was no worship. Et quand nous arrivons au chapitre 9, when we get to chapter 9, d'abord au chapitre 8, first in chapter 8, les trompettes ont sonné. The trumpet sounded. Jusqu'au chapitre 9. Up to chapter 9. Mais arrivé au chapitre 9, getting up to chapter 9, c'était la sixième trompette. It was la sixième trompette. It was the sixth trumpet. Et juste après le chapitre 9, and just after chapter 9, c'est l'Apocalypse chapitre 10. It's Revelation chapter 10. Où on parle, where they are speaking, d'un ange puissant, of a mighty angel, qui est descendu, that came down, et il a raconté.
il a rencontré les septième ange sur la terre. And met the seven angel on earth. Parce que le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Because the seventh angel is on earth at that coming. Le saint Branham dit que celui qui est descendu, the one that came down, l'ange de l'alliance, the covenant, the angel of covenant, c'est Christ lui-même. Christ himself. Amen. Donc William Branham est le précurseur. William Branham as a forerunner, il ne pouvait pas quitter la terre. He couldn't leave the earth avant que Christ puisse venir. Before Christ came. Et quand Christ est venu, and when Christ came, le frère Branham dit que c'était la confirmation. Branham said it was the confirmation. Que ce message est vrai. Amen. Il dit comme Christ a authentifié Jean. Say as Christ identified John. Ainsi que ce message sera authentifié par Christ. And so this message will be identified by Christ. Et quand Christ descend, and when Christ comes down, c'est la chose qui prouve que le message est vrai. Yes, sir. The thing proves that this message is et true. Que and saying that il n'est pas encore venu, he has not come. Donc le message est faux. That's when the message is wrong. Il se sans présenter le message. The one has gone without presenting the Christ. Amen. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu, when John the Baptist came, Christ était déjà sur la terre. Christ was already on earth. Et quand Marie est tombée enceinte, and when Mary fell pregnant, Elizabeth aussi était tombée enceinte. And Elizabeth was well was pregnant. Au même moment. At the same time. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Elizabeth avec l'enfant dans le ventre. Elizabeth with the child in his belly. Un enfant mort. A dead child. C'est le Messie qui a été qu'on devait présenter qui avait donné la vie au précurseur. It's the Messiah that was supposed to be presented that gave life to the baby. Quand elle est venue vers Elisabeth, when he came to Elizabeth, il dit que Dieu m'a visité. He said God visited me. On m'a dit que j'aurai un fils que j'appellerai Jésus. I will have a son called Jesus. Et au même moment, at the same time, le précurseur a tressailli dans le ventre. Et lorsqu'il a grandi, when he grew up, il commence à dire, he starts saying, répandez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. Because for the kingdom of God is just. Mais c'était déjà là. It was already there. Et le frère Branham dit que lui, il était un typologue. But Branham said he was a type. Si vous voulez comprendre la seconde venue, he wants to understand the second coming. C'est d'abord la première. You need to understand the first one. Amen. Regardez les visites. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas voir. That's why people cannot see. Parce qu'ils n'ont pas étudié la première venue. Because they did not understand the first coming. En tant que croyant du message, as a believer of this message, on ne peut pas comprendre la parole comme les Pentecôtistes. We cannot understand the word as Pentecostal. Alors après 2000 ans, after 2000 years, il devait appeler les Juifs. He had to call the Jews. C'est ça que le frère Branham dit. That's what Branham is saying. À la dernière moitié de la 70e semaine, at the last bit of the semaine du ministère du Fils de l'homme, it will be the ministry of the Son of God. Le pour nous c'est un fils de Dieu. Probably say for us is the Son of God. Mais pour les Juifs c'est le Fils de l'homme. But for the Jews is the Son of Man. Amen. Amen. Et lorsque les trompettes se sont arrêtées au chapitre 9, when the trumpets ended at chapter 9, directement c'était le chapitre 10. Straight it was chapter 10. Et il y a eu chapitre 11. And there was chapter 11. Quand vous voyez maintenant en bas, when you go down, vous allez voir que le septième ange a sonné la trompette. You see that the seventh angel sounded the trumpet. C'était la septième trompette. It was the seventh trumpet. C'est que le frère Branham appelle la grande trompette. Which Brother Branham calls the great trumpet. Amen. Amen. Donc les six trompettes ont d'abord sonné. So the six trumpets sounded. Et Apocalypse s'accomplit. And a Revelation 10 fulfilled. Et après. And after. C'est la septième et la grande trompette. The seventh and the great trumpet. Avant d'arriver là-bas. Before getting there. Lisons d'abord. Let's read. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Come, let us return unto the Lord, for he has torn and he will heal us. He has smitten and he will bring us up. After 2 days, will he revive us? In the third day, he will raise us up, and we shall live in his sight. Amen. Retenez cela. Donc, dans deux jours. Remember, in 2 days.
Le Messie devait repartir chez les Juifs. The Messiah had to go. Abraham dit que c'est 2000 ans. Abraham says it's 2000 years. Mais avant Jésus, before Jesus, on comptait backwards. We were counting on the earth. On comptait en reculant. En reculant. We were counting backward. Backward. Et quand Jésus est né, and when Jesus was born, c'est là où on a commencé à compter à 1, 2, 3. That's when we start counting 1, 2, 3, going from. Et depuis la naissance de Jésus, since the birth of Jesus, c'était là 1. It was year 1. Amen. Et maintenant, on est quelle année? And now we are in this year. 2018. On a un excédent de 18 ans. We have more than 18 years. Pour accomplir Osée. To fulfill Hosea. Et le Bible nous dit. And but what I'm saying. Que notre calendrier a un retard de 17 ans. That our calendar has is behind of 17 days. Si vous ajoutez 17 ans. If you add 17 years. Nous sommes en 2035. We are in 2035. Amen. Amen. Et la parole d'Osée doit s'accomplir. And the word of Hosea had to be fulfilled. Parce qu'il devait abandonner les gentils. Because he has to be surrendered. Pour aller aux Juifs. To go to the Jews. Et le Bible nous dit ceci. And my brother is saying this. L'âge de la Odyssée a mis Christ à la porte. Well, the church of la Odyssée church has put Christ at the door. Et il se met à la porte. And he stood at the door. Il frappe. He's knocking. Donc la personne qui frappe. So the person knocking. N'est pas au-dedans. He's not inside. Il est dehors. He's outside. Amen. Amen. Or, dans chaque âge. In every age. Ce qui exprimait la présence de Dieu. The one that was expressing the presence of God. C'était la lumière. It was the light. Une fois que la lumière sort. Once the light is out. Cela exprime la fin de l'âge. That exposed the end of the Amen. Age. Amen. Retenons les deux jours. Remember the two jours. Dans l'Apocalypse chapitre 11. In Revelation chapter 11. Au verset 15. Verse 15. La Bible dit ceci. The Bible says this. Le septième ange sonna de la trompette. The seventh angel sounded the trumpet. Il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. And there were great voices in heaven saying, the kingdom of God is. Attends, moi je finis d'abord. Est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. And the seven angels sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are becoming the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Amen. Amen. We can see the seventh trumpet sounded after. Toutes les trompettes ont annoncé le fléau. All the trumpets plagues. Announced the plagues. Mais la septième trompette, but the seventh trumpet, annonce la venue d'un royaume. Announcing the coming of a kingdom. Où le royaume est remis, where the kingdom is à notre Seigneur. Where the kingdom is given to our Lord. Et à son Christ. And to his Christ. Amen. Amen. Et il régnera. And he shall reign au siècle des siècles. Forever and ever. Et ça c'est la grande trompette. And this is the great trumpet. Avant d'arriver là-bas, before getting there, nous allons vous parler. De we going to talk about the blindness of the Jews. Le Father dit à Monsieur quel est-il? But when I'm saying the message, sir, what time is it? Là, il était en train de parler des mystères. Then he was talking about the mystery. Amen. Amen. Parce que le message du septième ange n'est que le mystère. Because the message of the seventh angel is just a mystery. C'est ce que le Father dit. That's what the Father dit. Il dit ceci. He's saying this. Que un mystère, c'est une vérité qui était préalablement cachée. That a mystery is a truth which was hidden. Et qui est maintenant révélée. And which is revealed. Et dans laquelle reste toujours quelque chose de surnaturel. And which remains some supernatural. Yeah. Something supernatural. Donc c'est-à-dire que. That means même après l'ouverture du mystère, even after the opening of the mystery, il y a toujours un mystère qui est attaché. There's always a mystery hidden. Le frère Branham dit que, but what I'm saying, les jours qu'on connaîtra Dieu à 100%, the day we know God 100%, il arrêtera d'être Dieu. He will stop being God. Amen. Donc il y a toujours un mystère qui est attaché. So the always a mystery hidden. Il dit ceci au paragraphe 245. In paragraph 225. Numéro 1. Number one. Le mystère du royaume des cieux. The mystery of the kingdom of God. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. It's what we are speaking now.
Amen. Matthieu, chapitre 13, verset 13 à 15. Matthew chapter 13, 3 to 5. Le deuxième mystère, the second mystery, est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Is the mystery of Israel's blindness. Pendant cet âge, during this age. Romains 11, Romans 11, 25. 25. Le troisième mystère, the third mystery, est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Is the mystery of translation of the saints of this age. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Thessaloniciens 4. 1 Corinthians chapter 13, 15. Et le cinquième mystère, and the fourth mystery, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament. Is about the church of the New Testament. Formant un seul corps. Forming one body. Tu as la citation. Tu n'en as pas? Non. Former, composé à la fois des Juifs et des Gentils. Made up of the faith of the Jews and the Gentiles. Amen. Amen. Le frère, et cela est exprimé dans Ephésiens 3, 1 à 11. That is expressed in Ephesians 3, 1, 11. Romains 16, 25. Romans 16, 25. Aussi Ephésiens 6, 19. Ephesians 6, 19. Colossiens 4, 3. Colossiens 4, 3. Amen. Amen. Mais là, nous allons parler du deuxième mystère. Then we're going to speak of the second mystery. Qui est le mystère de l'aveuglement d'Israël? Which is the mystery of the blindness of the children of Israel? Israël a recevé le Seigneur de gloire. Israel received for the Lord of glory. Ils ont rejeté l'expiation. They rejected the atonement. C'est quoi l'expiation? What is the atonement? C'est la parole faite chair. It's the word made flesh. Parce que Jésus était d'abord la parole. Because Jesus was the word. Il était la colonne de feu. He was the pillar of fire. Et il s'est fait chair. And he became flesh. Et il est venu mourir à la croix. And he died on the cross. Et au lieu de le reconnaître, for them to recognize him, il a été rejeté. He was rejected. Yes. Il a été rejeté. He was rejected. Et ils ont dit, and they said, crucifiez-le. Crucify him. Et que son sang tombe sur nous, that his blood should fall on us, et sur nos enfants, and to our children. Frère Branham dit que c'est la chose qui avait produit les massacres des Juifs. That's the thing that produced the killing of the Jews. Au lieu de s'arrêter simplement à eux-mêmes, instead of it being just on themselves, ils ont dit et sur nos enfants, and they say and our children, les enfants innocents, and the innocent children. C'est la première partie de la 70e semaine. It's the first part of the 60 weeks of Jesus. Ils ont rejeté le Messie. That they rejected. Et ils doivent encore reconnaître l'expiation. And they have to recognize the atonement. Qui est la parole faite chair? Which is the word made flesh? C'est-à-dire que Dieu manifesté dans la chair humaine. That means God manifested in human flesh. C'est pourquoi ce ministère-là devait arriver avant la descente de la pierre de feu. That's why that ministry was supposed to come before the coming of the capstone. Parce que le Bible dit que les Juifs cherchent les signes. Because the Bible said the Jews are looking for the signs. Amen. Amen. Pas la prédication. Not the preaching. Pas les miracles même. Not even miracles. Parce que les miracles, il y en a là-bas sur le mur de lamentation. Because miracles are there in the world, lamentation world. Mais ils cherchent les signes. But they are looking for the sign. Parce que c'est comme ça que la femme au puits avait reconnu le Messie. That's why the woman at the well recognized the Christ. Quand Jésus a discerné ce concept, when Jesus discerned his thought, la femme au puits a dit, the woman at the well, ne serais-tu pas le Messie? Said, are you not the Messiah? Amen. Amen. Il ne s'agissait pas de l'apparence de Jésus. It wasn't about the appearance of Jesus. Il s'agissait des œuvres. Amen. It was about the works. Amen. L'œuvre accomplie. The accomplished works. Deuxième témoin. The second witness. Nathanael. Voici un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Behold in Israel in which there is no God. Oh, comment est-ce que tu me connais? How do you know me? Quand tu étais encore sous l'arbre. When you were still on the tree. Je t'avais vu. I saw you. Il dit, he says, wow. N'es-tu pas le Messie? Are you not the Messiah? Amen. Yeah. Et le signe là, and that sign, c'est la chose qui fait reconnaître Israël, le Messie aux Juifs. It's that's the sign that made Israel to recognize the Messiah. Amen. Amen. Alors, lisons Romains 11. Let's read Romans 11. La Bible dit ceci. The Bible says this. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, naturellement sauvage, et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car
Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Enfin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit d'entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Le péché qui est ôté. The sin that is taken away. Le Pharaon dit que le péché c'est l'incrédulité. The Pharaon said the sin is unbelief. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. They did not believe in the word of God. Ils ont rejeté le Messie. They rejected the Messiah. Et le péché qui sera ôté. And the sin that will be taken away. C'est l'incrédulité. Is unbelief. Dieu leur donnera le cœur à croire encore la parole. God will give them the heart to believe. À reconnaître les œuvres du Messie. To recognize the works of the Messiah. Mais ici la Bible dit. But here the Bible says. Que le libérateur viendra de Sion. That the liberator will come from Zion. Et nous savons que Sion c'est l'épouse. And we know Zion is the bride. Amen. Amen. Matthieu 24. Matthew 24. La Bible dit ceci. The Bible says this. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette. Remarquez. Il enverra ses anges. He will send his angels avec la trompette. With a trumpet. Les anges. The angels. Mais une seule trompette. But one trumpet. Amen. Donc ceci montre que this shows, ce n'est pas une trompette physique. It's not a physical trumpet. Parce que deux personnes ne vont pas jouer la même trompette. Two people cannot play the same trumpet. Rétentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre coins, des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et le frère Branham nous dit que lorsqu'il y a eu la deuxième guerre mondiale, when we had a second world war, et la guerre s'est arrêtée d'une manière mystérieuse, and the war stopped in a mystery way, parce qu'il devait sceller les 144,000, because he had to see the 144,000. Amen. Après le scellement des 144,000, after the sealing of the 144,000, et c'est là qu'il y aura le troisième malheur. That's when the third curse will come. Et cela est la continuité simplement de la deuxième guerre. That's the continuity of the second war. Amen. Amen. Et le Frère Branham dit que les douleurs de l'enfantement. Brother Branham say in the birth pain. Ça ne fait que monter. It is getting higher. La deuxième guerre mondiale était plus atroce que la première. The first world war was a bit, it was. Second world war was tough or violent compared to the first one. Et la troisième guerre mondiale sera pire que ça. And the third world war will be worse than that. Quand on a lancé la bombe à Nagasaki. When they threw that bomb in Nagasaki. Après quelques années. After a few years. Les enfants naissent avec des défauts. Children were born with physical. Et le frère Branham dit que disability. Aujourd'hui ils ont la bombe à cobalt. They have la bombe à cobalt. Copa. Amen. Et le frère Branham nous dit que. And Brother Branham saying. Un jour, un homme va boire son vodka. And one day a man will drink his vodka. Et il va appuyer sur le bouton. And will press the button. Si la bombe de Nagasaki avait commis des dégâts. And if the bomb in Nagasaki causes that. Disaster. Qu'en est-il de la bombe qui viendra après? What about the bomb that will come after? Amen. Amen. Donc quand cela arrivera, when that will happen, cela amènera la fin. That will bring end. Regardez même ce que Poutine fait. Look what Poutine is doing. Parce que le frère Branham nous a dit regardez la Russie. Brother Branham say look at the Russia. Amen. Amen. On devait regarder Israël. We were supposed to look at Israel avant qu'elle devienne une nation. Before becoming a nation. Israël est une nation aujourd'hui. Israel is a nation today. Elle a une monnaie. He has their own money. Elle a son drapeau. And his own flag. Toutes les nations reconnaissent Israël comme une nation. Every nation recognizes Israel as a nation. Mais pour la bombe. But for the bomb. Le frère Branham dit. Regarde la Russie. Look at Russia. Amen. Amen. Un homme comme Poutine. A man like Poutine. Qui peut empoisonner un homme qui est
en Angleterre. Who can present a man here in England? Et les environs là, and là où cet homme là se trouvait. And around that man where that person was. Les restaurants, la maison, tout et tout. The restaurant and the house. Ils ont tout fermé. They closed it. Pourquoi? Why? Parce que tout le monde était affecté. Because everyone was affected. Amen. Même la personne qui est venue faire la bouche à bouche. Even the person that came to do the CPR. To do the CPR, the first thing. Même cet homme là a été affecté. Even the person was affected. Bon, ça c'est seulement le poison. That's only the poison. Et qu'en est-il des missiles appelés Satan 2? What about that missile was called Satan 2? Satan 2. Satan 2. Mais où est Satan 1? But where is Satan 1? On nous posait Satan 2. They shouldn't have Satan 2. On cache Satan 1. They are hiding Satan 1. On ne peut pas compter 2 sans passer par 1. They cannot count 2 by 1. Oui. On nous dit que la bombe là a la capacité de détruire un pays à la tête de la France. They said that, wow, that bomb is capable of destroying a country at the size of France. Amen. Donc si il peut compter 10 bombes comme ça, if he can count 10 bombs like that, donc les pays qui sont plus petits que la France, the countries which are smaller than France, donc si on lance ça par exemple en Afrique, if they destroy it in Africa, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo. Amen. Amen. Voilà là où nous allons maintenant. Look where we are going. Et avant que cela arrive, before that happened, on devait sceller les 144. We were supposed to seal the 144. Parce que la guerre a été arrêtée à cause de. Because the war was stopped because of them. Mais aussi, but also, pour les ouvriers de la 11e heure. For the. Ok, c'est pas grave. Et la Bible dit ceci. The Bible says this. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Matthieu 24, cherche ça. Ok, 24, ça tout là. Now learn a parable of the fig tree. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. When his branches is yet tender and putting forth leaves, you know that summer is nigh. Mais là, le figuier, ça a toujours été Israël. And the fig tree is always Israel. Quand Israël est en train de bourgeonner, as Israel was flourishing, c'est le signe qu'on devait observer. That's the sign we were supposed to look at. C'est quoi le bourgeonnement d'Israël? What's the flourishing of Israel? Il est dans sa nation. Il est dans la patrie. In the land, avec une monnaie et un drapeau. With a money, their own money, currency, and a flag. Et la Bible continue. And the Bible says, continue. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. So likewise here, when you shall see all these things, know that this is near. It is near. Amen. Even at the door. Souvenez-vous proche. Remember, near. Le royaume des cieux était proche. The kingdom of God was near. It's near. C'est comme ça que Dieu parle. That's how God speaks. Amen. Yeah. Quand on dit proche, when you say near, vous dites ah. You're saying oh. Ça va arriver bientôt. We get. Mais le proche en question. But the near. C'est maintenant. Yeah. C'est lorsqu'on a dit que non. Yes sir. Jésus est venu. Jesus has come. Il est où? Mais il avait dit que le monde ne me verra plus. But he says the world will see me no more. Virgile. Comment? Le système des églises. The system of the church. Amen. Amen. Ils ont rejeté Jésus-Christ parce qu'ils étaient hantés dans leur tradition. The Bible said they rejected Jesus Christ because they were in their traditions. La raison de toutes les églises. The reason of all these churches. C'était la venue du Messie. It's the coming of the Lord. Et quand le Messie est venu. And when the Lord came. Ils ont manqué ça. They missed it. Amen. Amen. Romans said they thought the Messiah would come from heaven like this. The ladder was supposed to come down from heaven. Le Messie descendra avec les anges. The Messiah will get down with the angels. Avec les trompettes. With the trumpet. Ils vont sonner. It will sound. Romans dit que Dieu les a confondus. Romans said God confounded them. En les envoyant un bébé. A second name again. Dieu s'est caché, s'est révélé à la simplicité. God hidden and revealed. Vous savez pourquoi les choses de Dieu sont difficiles? You know why the things of God are difficult? Parce que c'est simple. Because it's so easy.
C'est ça. That's it. Amen. Et lorsque le Messie est venu, and when the Messiah came, ils l'ont manqué. They missed him. Les femmes ont dit, et pourtant la Bible avait dit qu'une vierge concevra. But the Bible said, but the Bible said a virgin had conceived. Et la vierge avait conçu. And the virgin conceived. Et ils n'ont pas vu ça. And they didn't see that. Et la Bible avait dit. And the Bible said, un enfant nous est né. A son has been born. Et un fils nous est donné. A son has been given unto us. Mais jusqu'aujourd'hui, but up to now, ils attendent le Messie. They are still waiting for the Messiah. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ne reconnaissent pas le message et le jour. Because they do not recognize the message and the day. Voilà pourquoi les femmes avaient poussé la fête des trompettes. That's why they were going to preach of the feast of the trumpet. Les femmes ont dit que si vous manquez les 70 semaines de Daniel, they say if you miss the 60 weeks of Daniel, vous manquez le fléau. You miss the plague, the plagues. Vous manquez les sceaux. You miss the seals. Frère, quand, oh, les sceaux du message de Frère Branham, c'est les sceaux. The message of Frère Branham is the seals. Et si vous manquez les 70 semaines de Daniel, if you miss the 60 weeks, vous manquez les sceaux, you miss the seals. Vous manquez les trompettes, you miss the trumpet. Parce que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Because Israel is a watch, timepiece. Timepiece. God's timepiece, amen. Si vous observez Israël, and if you observe Israel, vous reconnaîtrez les jours dans lesquels vous êtes en train de vivre. You will recognize the time in which you are living. Enfin, c'est la pire des conditions. But it's the worst que condition. Un homme ne puisse pas reconnaître man, là où il est. For a man to recognize where he is. C'est ça qu'on appelle l'amnésie. That's what we call amnesia. C'est pourquoi le Père avait prêché l'amnésie spirituelle. That's what the Brother spoke about, a spiritual amnesia. Quand il parle de cet enfant, when he speak about that children, qui était devenu malade, that was sick. On l'amène à l'hôpital, take him to hospital. Et le médecin confirme que l'enfant est guéri. And the doctor confirmed that the child is healed. Et maintenant, la maman dit que ok, je vais passer l'enfant au test. So the mom said, okay, I will take the child to a test. Et on l'amène maintenant l'enfant à un magasin de jouets. They took the child to a shop, a toy shop. Comme Toys R Us. Toys R Us. Et l'enfant arrive là. And the child got there. Il regarde les jouets comme ça. He was looking at the toy. Oh, les jouets attirent les enfants. Because the toys normally attract children. On parle de nounours. Take all those. L'enfant regarde. Bird thing. On parle de skateboards. They take those skateboards. L'enfant regarde. And the child is. On lui le vélo. They give him the bike. L'enfant regarde. He's still looking at it. L'amnésie spirituelle. Frère dit que c'est la condition de l'église. Said, that's the condition of the church. L'église a vu tous les signes manifestés. Church saw all the signs, the manifested signs. Mais elle dit, but he says, j'attends Jésus. I'm waiting for Jesus. L'amnésie spirituelle. A spiritual amnesia. Écoutez la Bible dit. Listen to the Bible. Je vous l'ai dit en vérité. Very, very certain. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. This generation shall not pass till all these things be fulfilled. Le Bible dit que c'est la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie. But Bible says it's the generation that will see Israel returning to his homeland. Depuis quelle année Israël est une nation? Since what year Israel became? Depuis la charte panafricaine. Depuis la charte panafricaine en 1946. In 1946. Comptez depuis ce temps-là. Count from that time. Jusqu'aujourd'hui. Up to now. Combien d'années? How many years? Une génération compte 40 ans. A generation is 40 years. Les 2000 ans ici. These 2000 years. Sont écoulés déjà. It's already finished. Parce que nous sommes en 2018. We are in 2018. Plus le retard du calendrier. Plus the lateness of the calendar. 2035. 2035. Donc là, Osée serait un menteur. That means Osée is lying. Même si nous arrivons en retard. Even if you took off the lateness. Nous sommes toujours en retard. We're still late. Parce qu'en 2000. In 2000. Le Messie devait déjà venir. The Messiah was supposed to. On devait atteindre le troisième jour. We were supposed to go. Mais n'oubliez pas. But don't forget. Que pour l'épouse. For the bride. Les jours devaient être abrégés. The days were supposed to be shortened. Donc le Père lui prévoyait 1977. For Barnum was thinking of 1967. Et en 63 la nuée descendue. And in 63 the cloud came. Pour mettre fin. To put an end. Cette génération ne passera pas and that generation shall not pass jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent.
until these things fulfilled. Qu'est-ce qui s'accomplit? Which what is? C'est la grande trompette qui s'accomplit. It's the great trumpet that comes. Cette trompette qui est sonnée par Élie et Moïse. That trumpet which is sung by Elijah and Moses. Je vais pas anticiper, je vais aller pas à pas. I will go, but give a le fait d'en dire ceci dans la fête des trompettes. But when I'm saying this in the feast of trumpet, il dit que la trompette. He said the trumpet sert d'abord à appeler les gens à se rassembler. It's called people together, together. Amen. La trompette appelle les gens à se rassembler. The trumpet is called to get people to assemble themselves. Et aussi, la trompette annonce l'entrée d'une personne importante. And the trumpet announces a coming of an important person. Parce que les trompettes sont séparées en deux. So the trumpets are divided in two. Il y a six trompettes. There are six trumpets qui ont sonné sous le sixième sceau. Which are sounded under the sixth seal. Mais la septième and the seventh est sonnée is sounded en dehors du sixième sceau. Outside of the sixth seal. C'est ça qu'on appelle la grande trompette. That's what we call the great trumpet. Amen. Et qui se retrouve dans le chapitre 11 de la Nouvelle Apocalypse. Which is in chapter 11 in Revelation. Le fait de l'indiciser. Maintenant, remarquez, la trompette sert à appeler les gens à se rassembler. The trumpet is to call together the people. À se réunir en vue de quelque chose. Assembling themselves together for something. Parfois, est annoncé une personne importante. Sometimes it announces an important person. Maintenant, frère, allez simplement dans les recherches. Now go and do some research. Tapez la grande trompette. And tap the great trumpet. Regardez ce que le frère Banan annonce sur la grande. Look and see what problem. Dans ce sujet, il y a beaucoup de choses à développer. In that subject, there's so many things to talk about. Dans le private. In private. Mais là, remarquez. Notice. Par exemple, pour Joseph, like in il Joseph, sonnait de la trompette à l'apparition de Joseph. Like in Joseph, the sound of the trumpet and Joseph was appeared. C'est un symbole de la grande trompette. Which is a symbol of the great trumpet. Dont nous parlons. That we speak of. Et que nous allons voir tantôt dans Esaïe. And get to after what Isaiah. Où il est dit, quand la grande trompette sonnera, that quand cette tendance sera élevée là, et là-haut, alors le moment viendra où on sonnera de la grande trompette et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. Ça, c'est quand le millénium commencera. Parce que la grande trompette. Amen. That says, when the great trumpet sounds, and when that inside will be lifted up, up there, and then there will come a time when the great trumpet will be sounded, and all the nations will be gathered to Jerusalem. That's when the millennium starts, the great trumpet. Donc, les six trompettes. So the sixth trumpet annonce l'appel. The sixth trumpet The sixth trumpet calls. Et la septième trompette. And the seventh trumpet annonce l'entrée d'une personne très importante. Calls they announce a great person. Amen. A very important person. Il dit ceci. He's saying this. Oh, la raison pour laquelle c'est cette trompette ne s'applique pas à cette église ici, ni à cet âge ici, c'est parce que c'est uniquement pour Israël. Now, the reason is that this seventh trumpet does not apply to this church, a church and this age, is because it is to Israel only. C'est l'appel pour les rassemblements des gens. Et bon, il n'y a qu'une chose dont je veux que vous saisissiez le sens. Dans quelques minutes, c'est de voir pourquoi ceci ne s'applique pas à cet âge où nous vivons les sept trompettes. It's the calling of the gathering of the people. And now, there's only one significance in here that I want you to get to. In a few minutes, is where you will see why this doesn't apply to this age and that we are living. Amen. Donc nous voyons que les trompettes ne concernent que les juifs. So we can see the trumpet only is only for the Jews. Parce que quand les trompettes sonnent, because when the trumpet sounds, the bride is not here. Mais écoutez ce que le frère Balon dit. Now listen to what Balon says. Dans les 70 semaines dernières, in the 60 dans les instructions plutôt, in instruction to that, il dit ceci. He's saying this. Au paragraphe 114. In paragraph 114. Ça n'a rien à voir avec les nations. There's nothing to do with the gentle. Les sept sceaux. The seventh seal. Les sept fléaux. The seventh bride. Les sept malheurs. The seventh bride. Les sept trompettes. The seventh trumpet. Non, absolument rien à voir. Has nothing to do.
shoes. La chose qui m'intrigue, c'est les sept sceaux. The thing that struck me is the seven seals. Comment est-ce que cela n'a rien à voir avec les nations? How come it's not? There has nothing to do with the nations. Parce que au chapitre 4, because in chapter 4, l'épouse est enlevée. The bride is. Au chapitre 5, in chapter 5, l'épouse voit le trône. The bride sees the au chapitre 6, chapter 6, il y a l'ouverture des sceaux. There's the opening of the seal. Et on n'annonce pas la descente ici. And they are not announcing the coming there. La descente est annoncée au chapitre 10. And the announcement is on chapter 10. Et le frère Branham nous dit que the brother Branham said, les sept sceaux n'ont rien à voir avec les nations. And the seventh seal has nothing to do with. Parce que le livre des sceaux n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Because the church, the book of the seals is not open in the church ages. Amen. Amen. Donc quand nous avons le livre de sang, when we have the book of the seals, on doit savoir que cela n'a pas été ouvert dans les âges. We have to know that they are not open in the church. C'est au-delà des âges. It's behind. Parce que avant ça, le Messie a été mis à la porte. Because before that, the Messiah was put in at the door. Et maintenant, ce que nous devons faire, what we have to do, c'est toi qui dois sortir. You have to go out. Right. Aller vers lui. To go to parce que lui, il ne retournera plus jamais. Il ne retournera plus jamais. Les femmes ont dit que ce jour-là, quand il a dessiné au tableau, when he drew on the table, et il a laissé la lumière à l'âge de l'Odyssée. He left the light on l'Odyssée age. Maintenant, l'ange est venu dans l'église. An angel came in the church. Le Seigneur lui-même est venu corriger ça. And the Lord himself came to correct. Surnaturellement. Yeah. Supernaturellement. Il dit il a tout assuré. He said he has assured. Yeah, donc il a tout coloré. Il a tout coloré. He colored everything. Faut dire que c'était parce que il parlait pour because le dernier élu devait être déjà sorti. The last elect was supposed to be. Il dit pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il ne devait pas quitter son trône d'intercession. You were not supposed to leave intercession. Avant que le dernier élu puisse être déjà sorti. Before the last elected. To be raptured or to be called. Called. Amen. Amen. Maintenant, le problème c'est que the problem is quand Dieu appelle, when God calls, ou quand Dieu rachète, when God il n'a pas besoin de vous de la chair. He doesn't need you flesh. La le rachat c'est par prédestination. So, to redeem is by predestination. Amen. Donc quand Jésus m'a racheté sur la croix, je n'étais pas là. When Jesus redeemed me on the cross, I wasn't there. Mais quand je suis venu, when I came, le frère Branham m'a dit, Branham told me, que le jour que Jésus était sur la croix, the day that Jesus was on the cross, I was there. Yes, la Bible même dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. The lamb was slain even before the foundation of the world. Dans la pensée de Dieu. In the mind parce of God. La rédemption. Because the redemption. Ce n'est que l'expression de l'histoire qui était en Dieu. The only expression of the history that was in God. Donc quand Dieu faisait la rédemption, when God was doing the redemption, dans sa pensée, in his mind, il connaissait déjà qui serait racheté. He knew who would now be saved. Et qui le sera. And who would not. Yes, sir. Voilà pourquoi il disait aimé Jacob et j'ai aimé. That's why he said, I love Jacob and I hate him. Esau, is it? Yeah. Esau. Esau. But Esau, bébé, a battu la libumbu. Esau, a baby in the womb. Mais yo, il n'y est pas né. Can you help him? Amen. Amen. La prédestination. Amen. Il devait accomplir le rachat. He had to accomplish the rapture. Comme un Dieu responsable. Redemption. Parce que quand il descend, because when he comes down, dans l'Apocalypse chapitre 10, in Revelation chapter 10, il descend avec le titre de propriété. He comes down with the title deed. Title deed. Qui donnait l'autorité à Adam? Which gave Adam the authority? Et nous avons vu Adam. And we saw Adam sur la terre. On earth. Il dit petit poisson. He said little fish. Il te donne la vie. I give you life. At his right, he said, at your right. The man said, you go. I want to save my son. A restored bring back. Qui pouvait créer les écureuils? La dernière chose que Satan ne pouvait pas faire. That's the second could have done. Il pouvait multiplier les choses. He could have multiplied. Mais la création, ça c'était réservé à Dieu. Was only to God. Et quand le prophète est venu, when the prophet came, comme
pas seulement un travail, une soute, un veste. Il a créé cette crème. Pourquoi il a créé cette crème? Why did he create this crème? C'est pas pour amuser la galerie. Non, just to be jealous. Pour vous montrer. But to show you. Que le ciel a présent sur la terre. Parce que celui qui représente le ciel, c'est Jésus. But the one, because the one that represents, il a quitté le trône du Père. He left the throne of the Father. Et il a pris son propre trône. And he took his own throne. Parce que Dieu n'avait que trois trônes. God only had three. La première trône. The first one. Par le premier trône. The first throne. C'était là, avec au ciel. It was there in heaven. Le deuxième trône. The second throne. C'est en Jésus. It was in Jesus. Le troisième. The third. Et le dernier. And the last. Munda wa Mungu. La parole fait de chair. Yeah, la parole fait chair ne s'arrête pas au lien banal. Because the word is made flesh. C'est comme la bénédiction sur la montagne de Garizim. Comment? La bénédiction sur la montagne de Garizim. The blessing in at the mountain of Garizim. When they were pouring, it was coming now. Jusqu'en bas de la montagne. All the way down to the mountain. Comme de l'huile. As the oil. Sur la tête d'Aaron. In the head of Aaron. L'huile, c'est le Saint-Esprit. The oil is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the man. Quand on fait ça sur William Branham. When they pouring on William Branham. Ça descend. It descends. Et ça nous voit aussi. And it takes us to God. Et attaque Dieu. Him as the God. Parce que le grand mystère, si nous continuons jusqu'en bas, on dira que toute la divinité et la sagesse divine sont restaurées à l'homme. All the divinity and the wisdom of man is restored to man. Alors, parce que c'est ce que Adam a perdu. And that's what Adam lost. Le but de la rédemption c'était de ramener la divinité à Adam. The purpose of redemption was to give back the divinity. La mort d'Adam. La mort d'Adam, the death of Adam, c'était que la divinité l'avait quitté. It was the deity left him. Donc un homme sans la divinité, a man without the deity, c'est un cadavre. It's just parce que la vie il y en a qu'une. Because there's only one life. Il y a qu'une seule vie. There's only one life. C'est la vie sauvée. And that's joy. Parce que la vie que nous avons, that's the life that we have, c'est une vie. It's a life. Comment dirais-je? What can Le fait par que nous vivons des substances mortes. Parce que si vous mangez la viande de bœuf, if you eat the meat of the cow, parce que le bœuf est mort, because that cow was dead, il vous lève la vie. It gives you life. Vous mangez le pain, you eat bread, le blé est mort, the wheat was dead. Vous vivez des substances mortes. Because you are living from parce que le fait de manger, si vous arrêtez de manger, vous mourrez. But once if you stop eating, you will die. C'est pourquoi faut manger. That's what you have to do. Amen. Tu dois manger. You have to eat. Si tu ne manges pas, tu pêches. If you don't eat, you're sinning. Amen. Mais la seule vie. The only life qui ne nécessite pas à manger quoi que ce soit, that does not require eating. C'est la vie zoé. It's the zoé. C'est la vie qui est dans la théophanie. It's the life that is in the theophany. Et cette théophanie c'est nourrie que de la parole. And that theophany only feeds itself from the word. Parce que c'est le corps, hein? Parole. The word is the word body. Amen. L'église de maison sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous, l'Église des Nations. Il ne s'agit là que d'Israël. Parce qu'il dit Daniel est ton peuple. Because c'est Daniel and his people. Amen. Non, nous ne sommes pas finis aujourd'hui. I won't be able to finish it today. Alors, c'est pas maintenant d'ici. Le rassemblement d'Israël, the gathering of Israel, ce sont les trompettes. It's the trumpet. Les trompettes servent à rassembler Israël. The trumpet is to gather the Israel. Remarquez la toute première trompette sonne. Notice the first trumpet sound. Les sang, blood, le feu, fire, la graine et tout, and everything sont jetés, scattered, ça et là sur la terre. Scattered the ground. Voyez. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Voyez-vous, les ramener dans la patrie. See what was he doing? Bring Israel out of his spiritual Egypt. See back into his homeland. Amen. Amen. Ici, c'est une sortie spirituelle. Here is the spiritual going out. Dans un pays, dans un Égypte spirituel. In a spiritual Egypt. Faites-moi dire que c'était Mussolini et
Hitler. Le problème, c'est que c'était contre Mussolini et Hitler. Pendant qu'ils persécutaient les Juifs. Why they were persecuting the Jews? C'était pour les repousser vers le pays. It was to push them back to the country. Amen. Amen. Et continue. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci. Chaque trompette qui a sonné sous les sixième sceaux. Every trumpet that sounds under the sixth seal. Amen. Amen. On va y venir dans quelques minutes. We will get there in a minute. Où on a eu le sceau là. Where we see the seal. Toutes les trompettes ont sonné sous les sixième sceaux. All the trumpets sounded under the sixth seal. Ça, ce sont les choses qui m'avaient troublé. This is the thing that troubled me. Comment est-ce que les trompettes sonnent sous les sixième? How can the trumpet sound under the sixth? Le frère a dit que lorsque les Juifs étaient persécutés, when I'm saying, when the Jews was persecuted, c'était une tribulation amateur. It was an amateur tribulation. C'était pour pousser Israël vers le pays. It was to push Israel back to their country. Maintenant, now, le frère a dit ceci. When I'm saying this, est-ce que lui devait prêcher les trompettes? Parce que les trompettes ne servent qu'à appeler Israël. Because the trumpet is only to call Israel. Mais ici le frère Branham dit. But here Branham is saying que la salle était réservée pour prêcher les trompettes. That the hall was reserved to preach the trumpet. Et Dieu lui a dit. And God told him. Ne le prêche pas. Don't preach it. Ah, moi je me disais ok. I was saying. Parce que c'est pas lui qui devait le prêcher. I thought maybe it wasn't him that was supposed to preach. Mais Dieu lui dit que tu les as prêchés d'une manière surnaturelle. God told him you've already preached in a supernatural way. Parce que les trompettes ont sonné sous les sixième sceaux. Because the trumpet sounded under the sixth seal. C'est lui qui a ouvert les sixième sceaux. He is the one who opened it. À parler des six sceaux. Speaking of the sixth. Du sixième sceau. Of the sixth seal. Il avait parlé directement des trompettes. He spoke straight of the trumpet. Dieu se cache et se révèle dans la sainteté. God is hidden and revealed. Il prêche les trompettes. He preached the trumpets. Sans pour autant vous le dire. Without telling you. Vous attendez. You are waiting. Mais c'était du passé. It was a je comprends même frère Barak lui-même n'avait pas. And I understood. But Barak even himself did not understand it. Parce que s'il avait compris. Because if he understood il n'allait pas réserver la salle. He wouldn't reserve the parce que quand il prêchait le frère Barak. Because when Barak was preaching. Dieu le prenait en otage. God was taking him as a hostage. Donc Dieu enlevait frère Barak. God took brother Barak. Lui-même dedans. And himself took brother Barak out. Donc son corps ne lui appartenait pas. His body didn't belong. It wasn't for him. Voilà pourquoi il s'affaiblissait quand il prenait la salle. That's why he was tired when he was doing the same. Quand vous suivez la campagne de Chicago, when you follow the campaign in Chicago, vous allez voir Billy Paul est toujours derrière. You will see Billy Paul is always behind. Parce que s'il y a personne là, because if there is no one there, il va s'évanouir. He will fall. Il dit que Jésus même, he said Jesus himself, avec la femme à la de sang, with the woman that was had blood issue, cela l'avait affaibli. That one, weakened. Il connaissait de moi. He said, what about me? Oh, ben, il a emmagasiné la divinité. Brother, he had a deity. Ne cherchez pas Jésus ailleurs. Don't look for Jesus somewhere else. Parce que Paul dit que quand Jésus vient là, il vient là en tant que prophète. For Paul said, when Jesus will come, he will come as a prophet. Quand ils attendaient le Messie, when the Jews were waiting for the Messiah, ils attendaient un prophète. Waiting for a prophet. Voilà pourquoi. That's why. Quand Jésus posa la question, when Jesus asked a question, qui vous dit-vous que je suis? Who said that? Oh, yeah. Where am I? Ils ont dit, on a dit que tu es Élie. He says. They send you some are saying you are Elijah. Les autres disent que tu es Moïse. Some are saying you are Moses. Donc ils ne faisaient que citer les prophètes. They were only mentioning prophets' name. Mais ils avaient aussi raison. They were right. Parce que Jésus était la sommation de tous les prophètes. Jesus was the whole of the whole prophet. Et il était lui-même aussi un prophète. And he was himself a prophet. Et au temps de la fête, quand il vient. And anytime when he comes. Dans la page 37 de livre des exposés. In page 35. The church, seven churches. The seven churches. Le frère dit que le roi vient. Brother said the king comes. Le tout en tout vient. The whole and all comes. Il dit Dieu vient. He said God comes. Et le prophète vient. And the prophet comes. Amen. Amen. Donc la présence du prophète dans le pays c'est la présence de Dieu. So the presence of the prophet in the country. It's the presence of God. Donc après le frère Branham, n'attendez pas Jésus. Don't you wait for Jesus. Frère, c'est sérieux.
It's very serious. Les Juifs n'attendent pas le message des hauts prophètes. The Jews does not wait for them. C'est pas nous. Wait for them. Nous les gentils. It's only us the gentils. Nous pensons que c'est un pasteur qui révèle la parole. We think the pastor that voilà pourquoi j'aime la chanson des frères. That's why I like le frère Sylvain. The songs that are Sylvain. Cher prédicateur. Dear preacher. Aussi grand que tu peux être. No matter how big you are, mais sache que but know that tu n'as aucun message. You have no message to give us. Amen. No message to give us. Ça c'est clair. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait le message. There's only one person who had a message. C'est le frère Branham. It's Brother Branham. Et un prophète. And a prophet. C'est l'habit de Dieu. The cloak of God. Un prophète. A prophet. C'est l'habit de Dieu. The cloak of God. Parce que les enfants d'Israël, quand Samuel apparaissait, because the children of Israel, when Samuel appeared, ils savaient qu'il y avait un message de la part de Dieu. They knew there was a message from God. Et ils tremblaient. And they were shaking. Et à l'époque. And at that time. C'est Samuel qui était le roi d'Israël. It's Samuel who was the king of Israel. Parce que le roi d'Israël c'était Dieu au travers de Samuel. Because the king of Israel, it was God through Samuel. Voilà pourquoi nous aussi. That's why us. Dieu s'est incarné. God incarnate. Dans le prophète. With the prophet. Lui il représentait le roi de notre royaume. He represented the king of our kingdom. Amen. Voilà pourquoi quand il a traversé l'autre côté du. That's why when he crossed the other side. Quand il est arrivé là-bas. When he got there. Il voulait se mettre avec tout le monde. He wanted to be there with everyone. Il dit non. He said no. Commente là-bas. You go ahead. Il dit mais pourquoi? He said why? Parce que sur la terre. Because on earth. Tu étais là. You were. Ça, ce sont les théophanies qui ont dit. Right, this was the theophanies that said. Les gens qui avaient traversé. People that were that crossed it already. Frère Branham dit que la mort ne change pas la nature. Branham said death. Parce que Samuel quand il est mort. Samuel when he died. Lorsque Saul est parti chez la magicienne. When Saul went to that witchcraft lady or whatever. La femme là a appelé Samuel. And that woman called back Samuel. Qui était encore dans la cinquième dimension. Who was still in the fifth dimension. Là où même un magicien pouvait contrôler. Where even a magician could control it. Et quand il est venu. When he came back. Les femmes là ont remarqué il a prophétisé. He said, notice he prophesied. Et même là-bas. Even there. Il était toujours prophète. He was still a prophet. Même le frère Branham. Even Brother Branham. Quand il traverse le rideau. When he crossed the même là-bas. Even there. Il est un prophète. I'll be the prophet. Amen. La Bible est parfaite. The Bible is perfect. Écoutez le frère Branham. Listen to Brother Branham. Même que j'étais prêt à faire l'annonce. As I was about to announce it. C'est ça. C'est important. Ah, je vais arrêter bientôt. Je voulais bien voulu arriver à la grande trompette, mais. I wanted to get the great trumpet, but the time. Et donc la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher cette trompette. So the reason why he didn't permit me to preach this trumpet. Même que j'étais prêt à faire l'annonce. Even though I was close to do the annonce. Les saints étaient prêts et tout. The saints were ready. Pour qu'on y qu'on s'y rende. Pour prêcher les sept trompettes. For us together to preach the seven trumpets. Et j'ai dit il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. And I said there's something that bothered me. J'ai dit on a continué à travailler. We started working. Billy et nous tous. Billy and us everyone. On s'est forcé de tout préparer. We were forcing ourselves to prepare everything. La climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. The climatisation. The AC. AC. For the wall and everything. Air conditioning. The air conditioning. Pour les sept trompettes. For the seven trumpets. On avait la salle de l'école. We had the hall for the school. Pour 10 jours ou 8 jours. For 10 or 8 days. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant. But the Holy Spirit did not permit that I go for it. Pour une raison ou pour une autre. For a reason or another. Et je me suis demandé pourquoi. And I asked myself why. Non, parce que ce n'était pas le frère Branham de le prêcher. Non, il faut être préparé pour prêcher. Mais écoutez. But listen. Et quand je suis allé en prière. When I went for prayer. J'ai dit à ma femme. I told my wife. Je vais en prière. I'm going for prayer. Et je me suis agenouillé. And I kneeled down. Sincèrement devant Dieu. Since we prier. Told God to pray. Il m'a révélé que ces sept trompettes ont sonné sous le sixième sceau. He revealed to me that this. The trumpet is revealed under the sixth seal. Et je l'ai prêché déjà. And I've already preached it.
Amen. De façon surnaturelle. Amen. Supernatural way. Vous voyez? You see? C'est la main de Dieu. It's the hand of God. Il dit toutes les choses. Il dit c'est pour Israël. You see? It's for Israel. Nous avons vu ce qu'il en était sous le sixième sceau. See what was under the sixth seal. Pour ceux d'entre vous, for those qui se sont procurés de ça, for some of you who claimed it, il s'agit de la persécution des Juifs. It's about the persecution of the Jews. Maintenant, amen. Il faut reconnaître votre jour et votre message. Now you have to recognize your days and your message. Et quand vous avez le sceau, when you have the seal, vous vous placez où avec le livre? Where are you placing yourself in this, the book of the seal? Parce avec le livre de sceau. Because of the book of the seal. Tu ne peux pas te placer dans la Odyssée. You cannot place yourself in the Odyssée. Ça brise le plan. It breaks the plan. Là, tu serais comme un pape qui tient la Bible. And you'll be like a pope holding a Bible. Parce avec le livre de sceau. With the book of seal. Si réellement tu crois au livre de sceau. If you believe the book of seal. Cela veut dire que tu es l'épouse. That means you are the bride. Tu es comme Jean. You are like John. Donc tu as été appelé hors. You were called out. Et pour être l'épouse, to be the bride, comme on est avec Ruth, elle devait d'abord rencontrer Boaz. He has to meet Boaz first. Après, il y a eu mariage. Après, elle a pris son nom. And took his name. Parce que dans le livre des Actes au chapitre 15, in the book of Acts, chapter 15, il cherchait un peuple qui portait son nom. He was looking for people that can bury. Tu ne peux pas porter le nom de l'épouse si tu n'es pas encore marié. You cannot bear the name of the bridegroom without being married. She's called Mrs. Jesus. The woman says she, elle est appelée Madame Jésus. Amen. Amen. Donc Mrs. Jesus, Madame Jésus, c'est après l'enlèvement. After the rapture. Amen. C'est après la cérémonie du mariage. After the marriage ceremony. Après les noces. After the honeymoon. Et après les retours. And the honeymoon. Parce qu'elle vit déjà dans sous un même toit. Because they're living under the same. Voilà pourquoi ce prophète a prêché les trompettes. That's why the prophet preached his trumpet. Et les trompettes servent à appeler Israël. And the trumpet called Israel. Je vais finir bien. I'll finish now. Maintenant. Now. Nous allons revenir dans le livre d'Osée. We'll come back on the book of Osée. Osée dit ceci. Osée dit ceci. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. And the third day, revive us and we will live before him. Reconnaître votre jour et votre message. Reconnaître votre jour et votre message. Les deux jours d'Osée, the 2 days of Osée, c'était les sept âges de Christ. It was the seven churches. Comptez à partir de Jésus. Come from Jesus. Jusqu'à l'an 2000. Up to the year 2000. Sans calcul. Si on réfléchit comme des humains, if we think as a human, c'est jusqu'à 2000. It's up to 2000. C'est ça les deux jours. That's the 2 days. Amen. Amen. Maintenant, le problème c'est qu'il faut reconnaître votre jour. Now the problem is to recognize your day and your message. Frère, vous savez quand le frère Branham donnait le titre à ses prédications? You know when Brother Branham was giving titles to his preaching sermon. Le titre de la prédication et le résumé de la prédication. Amen. The title of the preaching is the summary of. Parce que quand il dit le Dieu dévoilé devant vous. When he said God the unveiled God before you, the unveiled God before you. Christ identifié dans tous les âges. Christ identified in all ages. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ is the mystery of God revealed. La révélation de Jésus. The revelation of Jesus. Amen. La divinité de Jésus. The deity of Jesus. Déjà, on pensait que le frère Branham parlait et a expliqué comment Jésus était Dieu. But non, people déjà, thought, les gens pensaient que le frère Branham disait aux gens que Jésus était Dieu. People thought, people Branham was saying that Jesus. Non, le frère Branham montrait comment Jésus était Dieu. God, Branham was saying how Jesus was God. Frère, la chose qui m'avait convaincu qu'il était Dieu. Branham said what convinced me that he was God. Parce qu'il pouvait s'humilier. Because he could humble. Amen. Amen. Après la prédication sur les sept âges de l'Église. After the preaching on the seven churches. Les 70 semaines de Daniel. 70 weeks of Daniel. Apocalypse chapitre 4. Revelation chapter 10. L'homme doit reconnaître sa position. The man has to recognize his position. Où il se trouve. Where he belongs. Je vais terminer par cette partie. I will finish with this part.
Le frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Je sais que moi j'ai abandonné. Ok. Maintenant, il s'est passé 2700 ans depuis ce moment-là. So, 2000 years have passed since that time. Le frère Branham explique Osée 6. Frère Branham explained Hosea chapter 6. Le troisième jour, nous serons rassemblés de nouveau. On the third day, we will be gathered together. Dans deux jours. In 2 days. Le troisième jour. The third day. Nous serons rassemblés de nouveau. We will be gathered together. Et nous recevons la vie devant lui. And we see the life before him. Voyez-vous la promesse? See the promise? L'or écrite de façon parfaite sur la muraille. Written in a perfect way on the wall. Écoutez ce qu'il dit. Listen to what he says. Nous voyons où nous vivons. We can see where we belong. Amen. Where we live. Mais la fois, Madame DJ. But what I'm saying is, pourquoi il dit que reconnaître votre jour son message? Why is he saying recognizing your day? Il dit parce que si vous amenez le message de Noé au temps de Moïse, ça ne peut pas marcher. Because if you bring the message of Noah in Moses' time, yeah. We don't know. Vous amenez le message de Pentecôtiste à ce temps, ça ne marchera pas. Bring taking the message Pentecôtiste message in this time. Parce que le Pentecôtisme s'est arrêté dans Jésus Christ. Because Pentecôtisme ended in Azusa Street. Parce que le Pentecôtisme, ce sont des concepts. Because Pentecôtisme is concept. The concept. Amen. Amen. C'est un état d'esprit. It's a mind state. Non, t'as pas besoin d'aller dans une église Pentecôte pour être Pentecôte. You don't need to go to Pentecôte church to be Pentecôte. Même dans le message, tu peux comprendre. Even in the message, you can be Pentecôte. Avec les photos de frère Branham. With the picture of the Branham. Parce que le septième âge. Because the seventh age. Il devait nous appeler hors des traditions. Pentecôtistes. You were supposed to call it out of the Pentecostal tradition. Et les deux témoins, and the two witnesses, devaient appeler Israël hors des traditions judaïques. They were supposed to call Israel out of our Judaic tradition. Amen. Amen. À chaque peuple, sa maladie. À chaque peuple, sa maladie. Every. Bro, la maladie d'Israël, c'est le judaïsme. The sickness or the disease of Israel is Judaism. Et la maladie des gentils, c'est quoi? And for the gentiles, what is it? Le pentecôtisme. The pentecôtisme. Oh, le pentecôtisme. Pentecôtisme. Ce sont les définitions derrière le mot. It's the, oh, amen. It's a definition behind the word. Quand on parle de Jésus, when we talk about Jesus, il voit l'homme de Galilée. They can see the look of the Galilee. Oh, ce n'était qu'une manifestation. It was only a manifestation. Parce qu'avant d'être l'homme de Galilée, before being the man of Galilee, il était d'abord la colonne de feu. He was first the pillar of fire. Il est devenu l'homme. He became the il a pris le corps d'humiliation. Il s'est rabaissé. He came down. Mais il ne peut pas devenir comme ça. He cannot be like this. Donc quand vous voyez la colonne de feu, when you see the pillar of fire, c'est Jésus. But it's Jesus. Amen. Parce que quand il a vu Paul, when he saw, he met Paul. Il dit Saul. He said Saul. Pourquoi le persécutes-tu? Why persécute thou? Qui es-tu, Seigneur? He said, who are you thou? Jésus. He said, I'm Jesus, the one you're persecuting. C'était pas l'homme de Galilée. He wasn't the man of Galilee. C'était la colonne de feu. It was the pillar of fire. Et le frère Branham dit. Dans mon opinion, in my opinion, je pense que c'est le même ange de la grâce qui a conduit les enfants de Israël. I believe it's the same angel that directed the children. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? That you're seeing in that picture. La colonne de feu. The pillar of fire. C'est ça le Seigneur Jésus. That's the Lord Jesus Christ. Quand vous avez la colonne de feu, when you have the pillar of fire in your house. Mais c'est ça Jésus. That's Jesus. Pas selon le Bible, selon la Bible. Not according to the Bible. Parce que. Because. Paul là, il s'est présenté à Paul comme le Seigneur Jésus. He presented himself to Paul as the Lord Jesus. Mais là, quand vous Quand tu regardes, when you're looking, wow. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Et lorsqu'il est né, when he was born, ce que j'ai dit, ce sont des citations. God, what I'm saying is quotations. Je n'invente rien. I'm not. Mais what I'm saying, l'histoire de ma vie. But what I'm saying, the history, the last story. Le jour de ma naissance, the day of birth. La lumière est descendue. A light came down. Sa mère lui a dit que la lumière était sur le bébé. Mom said that the light was on the baby. Et après c'est partout. And away did he go. Mon. Dieu se cache le même assez. God is here and revealing. Laissez-moi les dire. Let me go with it. Alors si je venais avec le message de la Pentecôte. So if I came with the message of Pentecôte's message. Bon, frère, si toi tu es dans la Odyssée. Brother, if you are in Odyssée. Eh, tu es sans frère maintenant. Yeah, without Brother Branham. Parce que le frère Branham n'était pas dans la Odyssée. Brother Branham wasn't
la réussite. Amen. C'est pas moi qui le dis. It's not me saying. C'est lui-même qui le dit. He's himself saying. Parce que même quand le frère Branham dit que je ne suis pas un prophète. When Brother Branham says I'm not a prophet. Il dit je ne me vois même pas dans ces réunions-là. I cannot even see myself there. Ah, mais les œuvres que tu as produites, frère Branham. The works that you did. Tu es prophète. You're a prophet. Parce que si le frère Branham disait qu'il est prophète. If Brother Branham said that he's a prophet. Moi je ne croyais pas en lui. I would not believe him. Frère, cherchez dans tous les messages. But look into all the messages. Il y a aucun passage où le frère Branham dit qu'il est prophète. There's no condition with Brother Branham saying. Parfois il dit, croyez-vous que je suis un prophète? Sometimes we say, do you believe I'm a prophet? Non, non, non. Un prophète veut dire un prophète who wants means il simplifie ça. Parce que c'est le troisième poule. Vous devez cacher ça vous-même. Parce que les dix lépreux, because the ten lepers que Jésus avait guéri, that Jesus healed, ils sont partis. They all went. Un seul est retourné. Just one came back. When he came back to Jesus, il dit mais bon, où sont les? He said where are the nine? Il dit, ils sont partis. Ils sont, they say they are all gone. Il dit, maintenant toi tu es sauvé. He said, you are saved. Mais qui a dit à ce monsieur de retourner? Who told that man to come back? Jésus lui a dit, allez, Jésus les a dit, allez-y vous montrer ça. Jesus told them, go and show yourself to the people. C'est ça qui est sorti de la bouche. That's what came in the mouth. Mais dans son cœur. But in his heart. Jésus voulait dire, restez ici. Jesus wanted to say, stay here. Amen. Donc un seul monsieur, one person, avait pris les troisième poules. Il est parti, il est parti. Avant d'arriver chez le pasteur, je suis déjà guéri. Ah, donc vous prenez Yohana. Et il retourne. And he went back. Tous les dix, all the ten, un seul est sauvé. One was saved. Donc vous devez saisir le mystère. You have to take the mission by yourself. Frère, le septième mission, c'est pas une démonstration en public. Frère, le septième is not a public demonstration. C'est là où l'homme et Dieu sont en train de coopérer. That's where man and God are. Ce n'est pas aller à l'église. It's not going to church. C'est pas parce que moi je dis pas que moi je donne la vie éternelle. I'm not saying I don't. I give the eternal. La vie éternelle c'est le message de Frère Branham. Eternal life is the message of Rabbi. Si d'ailleurs vous ne recevez pas la vie éternelle, vous reconnaissez c'est pas ce que vous êtes. Anyway, you don't receive eternal life. You only recognize. Parce que l'eau ne change pas la nature de la semence. L'eau ne change pas la nature de la semence. The water doesn't change the nature of the seed. L'eau ne fait que manifester la semence. The water only manifests the seed. Amen. Écoutez le Frère Branham. Listen to Frère Branham. Je serai dans l'âge de la Odyssée. Pardon. Il dit alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serai dans l'âge de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Amen. Now, if I come with the message of Pentecostal, I will be in the Laodicean church age and it wouldn't be right. Amen. Donc le Frère ne va pas apporter le message pentecôtiste. Pentecôtiste. Il n'était pas dans la Odyssée. He wasn't in the Odyssée. Il dit parce que ça ne serait pas juste. He said, pourquoi? Why? Pour, c'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. That's the reason that Wesley couldn't take Luther's message. Luther était dans un âge. Luther was in one age. Dans un âge de l'Église. Church age. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. And Wesley was in another church age. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. If Jesus would have come in with the message of Moses, it wouldn't have worked. Je vais finir par ceci. I will finish by this. Ready? Je vais finir par ceci. Ça, c'est ma dernière citation. This is my last. Mais Dieu a assigné son peuple de chaque âge une partie de l'écriture. God sent the people of every age a part of the scripture. Frère, les péchés c'est quoi? What's the sin? Quand Dieu révèle quelque chose, c'est la définition de la dénomination. That's the definition of the dénomination. Quand Dieu révèle quelque chose, when God reveals, les gens viennent tout autour. People comes all around. They meet ism. And becomes ism. Start ism on it. Ils commencent une organisation. They start an organization. Donc quand on passe de Luther à Wesley. When we pass from Luther to Wesley, le message de Wesley s'est passé. The message of Wesley is passed. Parce que le message de Luther s'est passé. The message of Luther is passed. Quand on passe chez les pentecôtistes. When we go to Pentecostal, Luther Wesley s'est passé. Luther and Wesley is passed. Si tu amènes ça aujourd'hui. If you take this one today, c'est ça le péché. That's the sin. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as un bidon du sang de Jésus, even if we have a bottle of the blood of Jesus, et que on est sauvé, and you pour it on yourself, ça peut pas te procurer la vie. It will never give you life. Aujourd'hui, si
tu prends un animal. Today if you take an animal. Allez immoler. And slay or kill it. Dieu regarde de l'autre côté. God is looking the other side. Ça sent mauvais. It smells. It's not. That's parce que c'est déjà passé. Because it's already passed. Mais là c'est pourquoi le frère dit reconnaître votre toujours et votre message. That's what Brahman said. Reconnaître your day and his message. Parce que si tu mets le message pentecôtiste dans le message de frère Brahman. Because if you bring a pentecostal message in the message of Brahman. C'est un péché. It's a sin. Il continue. Je vais terminer par ceci. Et avant que cet âge puisse naître dans les temps des églises, before this age appears et avant que cet âge puisse naître dans ce temps, les églises ont tellement tout mélangé. The church mixed everything. Qu'elles ne savent pas où elles en sont. And don't even know where they are. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. That's the reason why they did not recognize that Jesus was the Son of God. Leur tradition avait aveuglé leurs yeux. Their tradition blinded their eyes. Pourtant, ils correspondaient parfaitement à l'Écriture. It was correct with the Scriptures. Amen. Quand l'ange de Saint descend, when the mighty angel comes down, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Seventh angel is on earth at that coming. C'est pas moi qui le dis. That's not me saying. C'est le frère Branham qui. It's Brother Branham saying. Bridge. The bridge. 41. 41. C'est-à-dire que si le frère Branham quitte, if Brother Branham leaves, le message ne peut pas venir. The message cannot come. Qui va le présenter, frère Joseph? Who will present us, brother? Amen. 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 Donc les trompettes, les six trompettes, the six trompettes, le frère a dit que c'était Mussolini, et Hitler. Amen. Amen. Alors je pense que je vais m'arrêter par là. I think I will stop. Maintenant nous allons parler des trompettes sous le sixième son. Next time we speak of the trumpet under the sixth son. Et de la grande trompette. And of the great trumpet. D'après le frère Branham, il dit que la grande trompette c'est le septième son. Amen. Quand le frère Branham dit que the great trumpet is the seventh son. Amen. Dieu le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un cantique en swahili. Swahili. Bueno, mi pelec.